Et salut à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est des combos de Beyblade. Genre, ben, des combos, pas n'importe lesquels, c'est un tournoi. Donc c'est 16 toupies qui vont s'affronter. Pas en même temps, mais ça va être 16 toupies. Et celui qui va gagner va devoir affronter 7 Beyblade. Et, exemple, c'est Xavier qui gagne. Elle va devoir affronter sa Beyblade. Et attendez, elle est où là? Voilà. Attendez, je la trouve pas. Ah, et sa Beyblade en même temps. Donc, elle a du caoutchouc. Elle n'en a pas, mais c'est un bon combo. Donc, voilà. Celui ou celle qui gagne va devoir affronter ces deux-là en même temps. On est parti. Bon, je choisirai les toupies. Je les mets sur pause et je reviens après. Ok. Donc, voilà les toupies qui vont aller en tournoi. Donc, là, je vais piger pour les toupies. Xavier Valkyrie qui va affronter. Attendez, je vais la retrouver. Xavier contre Helios. Non, c'est contre Phoenix, Xavier. Deuxième, Helios versus Lucifer. Troisième, Belial versus Vanish. Quatrième, Dragon versus Trigan. Cinquième, Brave versus le Triad. Le Triad numéro 1, quand on a deux Triads. Deuxième, Hyperion versus Solomon. Ensuite, on a Helios contre le Triad. Le Triad numéro 2. Et il reste Achilles versus Ragnarok. Donc, on est parti pour le tournoi. 3, 2, 1, il part. Yes. 3, 2, 1, il part. Xavier passe au prochain round. Donc, ah, j'ai oublié de vous dire, c'est le premier à 2 points. Donc, là, étant donné que Phoenix vient d'exploser, Valkyrie passe au prochain round. Ah, et on va changer d'arène à chaque round. Donc, là, c'est cette arène-là, mais le prochain round, ça va être cette arène. Donc, l'arène motorisée. Prochain combat, Helios versus Lucifer. Attendez, je remets le gimmick de Lucifer à l'endroit d'origine. 3, 2, 1. 3, 2, 1. On dirait que Lucifer suit les mouvements de Dios. Mais c'est quand même un point pour Lucifer. Le gimmick est réactivé. 3, 2, 1, il perd. 3, 2, 1. Oh! Est-ce que le limite de gauche est activé? Et 2-0 pour Lucifer. Lucifer passe. Troisième combat. Donc, Vanish Fafnir versus Hyperion. Le lanceur de Vanish. Le lanceur de Hyperion. Pas de Hyperion. De Belial. Kiki, tu viens? Fais-le-moi.
fuck, j'ai mal lancé ma niche. En plus que mon chat s'en vient. Va dans l'arène. Va dans l'arène, bébé. Va dans l'arbre à chat. Vas-y dans l'arbre à chat, Kiki. Dérange-moi pour voir les vidéos, ok? Va dans l'arbre à chat, bravo. Bravo, bébé. Bélial. Allez, Bélial. Dynamite Bomber. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Bélial. Bélial, 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 Bélial. Un 0 pour Vanish. Je vais mettre Vanish et Bélial dans leur mode. Dans un autre mode. Donc, je vais mettre Bélial en mode endurance et Vanish en mode attaque. Kiki, peux-tu tasser, s'il te plaît? Kiki, tu veux que ma petite fille? S'il vous plaît, tu veux plus, 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 Kiki. Excusez les gars, c'est à cause qu'il y a mon chat sur moi et elle me dérange. Donc, quoi? Ok, on continue, désolé pour cette interruption. Donc, Vanish contre Bélial. Pas de 1. Bélial à penche. Bélial. Non! Bélial! Et Vanish Popner est plus forte. Et elle passe au prochain round. Désolé, Bélial. Voilà, j'ai remis les modes de Bélial. Et on passe au prochain round. Prochain round, Sprian versus Dragon. 3, 2, 1. Allez, Dragon! Gagne un point. 3, 2, 1. Égalité. 3, 2, 1. Et Dragon gagne un point, 1-1. Encore une égalité.
2-0 pour le dragon. Donc, dragon passe. Ok, Tryhard versus Brave. Est éliminé. Prochain combat, seulement versus Hyperion. Oh, Hyperion! Pour dire que ma pointe X-Seed est vraiment genre le caoutchouc. Regarde le caoutchouc. Il y a quasiment plus de caoutchouc. Genre le caoutchouc il est là, mais il paraît presque plus sur la violette, donc c'est pas mal juste les côtés. Et j'ai même pas vu, donc c'est beau qui a gagné. Hyperion passe. Prochain combat, Helios versus Tryhard. Helios. Lunch Valkyrie, donc on va dire que ça comptait pas. Ça compte pas, mais même si j'ai mal lunch. Et dernier combat du premier round, donc voyons, Rectavor versus Achilles. Et Achilles n'a pas la bonne pièce, donc c'est un combo que j'ai fait, donc Hurricane et Merge Dash. 3, 2, 1. Pour Rockabar. Donc là, je vais mettre le mode de Achilles en mode shield. Soit 2-1.
qui peut gagner. Et c'est Glide. Ça m'étonne que Glide passe au prochain round. Et voilà, elle était sur le bord de l'exploser. Donc, je vais vous rappeler les bébés qui ont passé au prochain round. Donc, on a Lucifer. On a Brave. On a Vanish. On a Glide. On a Helios. On a Hyperion. On a Savior. Et on a Dragon. Donc là, je vais mettre la reine de Strike. Attendez une petite seconde. Je vais mettre le truc pour activer la reine. Et donc, on arrive avec cette reine-là. Donc là, si exemple c'est Vanish versus Valkyrie. Donc là, j'ai pas mis la pointe à Vanish, je sais pas pourquoi. Il va pas avoir... Le Motor Strike va être à droite quand même. Si c'est exemple Helios contre Vanish, ça va être à gauche. Et si c'est une... Ici, exemple, c'est Brave versus Savior, ça va être à droite. Donc, vous comprenez, les droites contre des droites, la reine va tourner à droite. Les gauches contre des gauches, la reine va tourner à gauche. Et les M1. Et M1, une gauche versus une droite va tourner à droite. Donc, on est parti. Premier combat. Dragon versus Vanish. Attention, Dragon est tombé. Après, Helios, pas Helios, Valkyrie versus Lucifer. Ensuite, on a Glide versus Hyperion. Et là, on sait qui va gagner. Hein, Glide? C'est sûr que ça va être Glide qui va gagner. Oh my god, je m'excite. Les gars, c'est sarcastique. C'est sûr que Glide va perdre. Parce que... Hyperion est trop forte. Je sais pas combien de fois que je vous l'ai dit, mais Hyperion est trop forte. Et dernier combat, Helios versus Savior. Donc, on est parti. Je prépare mon lanceur. Et Dragon est vraiment bonne dans cette arène-là. Donc, on va voir comment elle va agir versus une gauche. On tourne l'arène à droite. 3, 2... Un, il part. Non, Vanish! Ok, on va changer un peu les règles. On va changer les règles pour les gauches versus les droites. On va dire qu'exemple, on va faire un round à droite, un round à gauche. Donc, par exemple, ce serait un point pour Dragon, vu qu'il avait gagné. Mais là, on lancerait les gars, on le mettrait à gauche. Avantage pour chacune des boulettes. Et Dragon gagne quand même. Dragon, tu passes au prochain round. Vanish, t'es morte. Prochain round. Donc, c'est une droite versus une droite. Donc, c'est de là. Voilà. 3, 2, 1, il part. C'est vieux. Et pas c'est vieux, vrai. 1-0 pour Brave.
3, 2, 1, il perd. Attendez, il y a un problème dans la reine. Il y a eu un petit problème, la reine n'a pas tourné du bon sens. Prochain combat, Glide versus Hyperion. Et je vais lancer Hyperion en première parce que je veux que Glide ait des chances. Oh my god! Glide, suicide-toi pas! C'est inacceptable! Père! Père, reste avant! Père! Ouais! Bon, elle est toujours pas burst! Allez, je veux un burst pour le dernier combat là. De Glide et maintenant c'est le dernier combat donc laissez-moi faire le lanceur donc Savior versus Helios 3 2 1 pour ces lieux. Allez, 1-0 pour ces lieux. Sens. C'est bon.
de 3. C'est vieux, arrête. On va réessayer. Burst Helios. Donc c'est le CME à Valkyrie qui passe. Donc là on retourne avec l'ancien Beyblade. On retourne avec ceux qui ont gagné. Donc ceux qui ont gagné sont Brave. Il y a Dragon, Hyperion et Savior. Donc ces quatre là ont gagné. Et on va voir qui va être contre qui. Oh, attendez. Savior versus pas Savior, mais Hyperion versus Wave et Savior versus Dragon. Si vous voyez souvent sur ma chaîne des combats de Hyperion versus Brave, et ben ça arrive très souvent. Donc j'ai fait 2 épisodes sur ça. Et maintenant, on va voir qui va gagner un tournoi. Premier 3 points. Un 0 pour Brave. Oh mon dieu, c'est un dommage la reine. Wow. Attendez, je vais vous montrer après. 2-0 pour Brave. Mais regardez, vous voyez la ligne. Aïe aïe. C'est une des deux qui a fait ça. Parce que c'était pas là avant. Sûrement Brave. Calme-toi Brave. Et Brave gagne. Brave s'en va en finale. Prochain combat, premier 3 points, c'est vieux versus dragon. Savior gagne contre Dragon. Donc 2-0 pour Savior. 3, 2, 1, go! Oh! Ignition versus Savior! Mais c'est quand même Savior qui passe en finale. Voilà. On passe enfin en finale. Donc, Savior versus Brave. Donc là, ça va être le premier 5 points. Et ben c'est parti. 3, 2, 1. Je chute. Savior gagne le premier point. Oh.
Mon dieu! 2-0 pour ces vieux. Là, c'est prêt, tu dois gagner. Ouais, voilà. 2-1. Bref, se rattrape. Mais on a toujours une solution. Donc, c'est bien. Je vais mettre c'est bien en high mode. Donc, j'espère qu'elle n'explosera pas. Voilà, c'est bien en high mode. J'ai trop peur, je remets ces vieux en mode l'eau. J'ai trop peur, les gars. Bref, il m'explose dans les mains. J'aime trop ça. Je capote sur cette arène là. Oh mon dieu. Je capote ma vie. Et maintenant, on va voir si c'est vieux. Si c'est vieux vraiment un champion. On va voir. Donc elle va affronter deux toupies. Et les deux vont avoir des élastiques. Donc les élastiques, ça absorbe beaucoup l'énergie.
Et après ça, je vais les faire affronter contre Xavier. Parce que je veux voir si Xavier aurait pu gagner. Attendez. Attendez, je me surpose en attendant. Et voilà. Voici la bête. Ben, les deux bêtes. Voici. C'est une metal fight avec du caoutchouc. Et ici, c'est comme un... C'est comme pour absorber l'énergie comme Fafnir un peu. Donc, bref, il va devoir affronter ces deux-là. On va commencer par la orange, Dante. Il y avait une Metal Fight défrit dessus, mon lanceur. 3, 2, 1. Yes. 3, 2, 1. Wow, wow. Oh, vous avez vu ce que ça fait? Hey. Oh, shit. Regardez. Bref, on casse l'élastique carrément. Un zéro. Ouais, celle-là est pas bonne. Celle-là est claquée au sol. On va essayer l'autre. Allez, 3, 2, 1. Oh! 1, 0 pour bref. Il aurait été meilleur sans l'élastique. Par contre, si je fais ça. Ah! Quoi? Elle spin still pas. What the heck? Bref, elle est le big, big winner. Mais on va voir si Xavier aurait pu la battre. Et voilà, c'est bien gagné aussi. Donc bref les gars, j'espère que ce tournoi vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et si on atteint les 10 likes, je vais m'engager à faire un tournoi de 32 Beyblades en 64 et à la fin toutes mes Beyblades. Donc, merci d'avoir écouté et bye!